Direction Auckland, non pas pour un nouvel épisode, mais pour se rappeler tout simplement que cette saison 2014 de triathlon avait débuté en Nouvelle-Zélande et débuté par la victoire d'un Espagnol, Javier Gomez, triple champion du monde la saison précédente. Longue année, longue saison que ces WTS qui nous ont amenés d'un continent à l'autre. Laurent, c'est l'heure de la conclusion et direction le Canada, cette fois-ci à Edmonton, pour vivre un épilogue encore incertain. Complètement incertain, et comme l'a été toute la saison, en fonction des présences de certains et de certaines, les blessures d'autres, les coups de moins bien, une saison qui a été riche en enseignements et qui a vu émerger quelques talents, peut-être certains qui ont disparu et d'autres qui sont bien présents. Il y a une constante malgré tout, c'est que ce sont souvent les mêmes visages que l'on retrouve sur le sommet des podiums. Mais il y en a de plus en plus. C'est vrai. Ils sont de plus en plus nombreux à pouvoir briguer à ce fameux podium. Alberta, rien à voir avec un membre de notre famille. C'est la province vers laquelle nous nous dirigeons donc. Province canadienne, Edmonton qui a accueilli les championnats du monde de la discipline, c'était en 2001, qui a accueilli une étape de Coupe du Monde en 1999. Le Canada qui a eu l'occasion de fournir quelques athlètes qui ont marqué l'histoire du sport. Quelques-uns, oui, des petits champions olympiques, par-ci, par-là, des champions du monde aussi, bien sûr. Et on se souvient tous du premier champion olympique, Simon Whitfield. Alors, à l'occasion de ce dernier rendez-vous, 8e étape donc des triathlons séries, c'est ici l'occasion pour tous les triathlètes, qu'il s'agisse d'élite, de groupe d'âge, de paratriathlètes, de participer à cette fête tout au long de la semaine, car les courses vont s'enchaîner, vont se succéder sur des formats différents, dans des conditions festives évidentes. Tout le monde a le sourire et c'est normal, c'est l'heure de conclure la saison. Petit maillot de hockey. Mais on sait que Jonathan va sans doute pas essayer d'aller tirer des pénaltys sur la patinoire. Ça lui avait pas réussi en football l'année dernière. On va commencer par la course élite dame, comme dit le programme en l'occurrence, avec cette jeune femme, Gwen Jorgensen, qui fait partie de ces athlètes qu'on n'a pas appris à découvrir cette année, mais qui au moins a confirmé toute la qualité de son talent. Gwen Jorgensen, vainqueur de 4 étapes tout au long de la saison, et qui bien sûr possède le numéro 1 et attend de cet ultime rendez-vous la possibilité de conquérir le premier titre mondial de sa carrière. Et oui, puisque l'année dernière, elle était en très très bonne position pour aller le chercher. Et on se souvient que le jour de la finale, eh bien, une chute à vélo avait complètement brisé ses espoirs. Sarah Groff, on l'a vu, elle s'est imposée récemment à Stockholm. Jody Stimson, 2 médailles d'or lors des Jeux du Commonwealth, il y a aussi quelques semaines, font partie des athlètes qui attendent beaucoup de ce rendez-vous. Sarah Groff qui a... Grâce à cette victoire et cette première victoire en triathlon series à Stockholm, trouver bien sûr l'énergie supplémentaire ou utile pour aller conquérir peut-être une autre victoire ici. Stimson, un talent sûr, un talent régulier, mais qui sait qu'elle est un tout petit peu loin au classement général pour peut-être briguer la première place et le titre mondial cette année aussi. Et oui, parce qu'elle a été partie tambour battant avec, on l'a vu, victoire à Auckland, victoire à Cape Town, et puis ensuite une petite chute et le reste de la saison un petit peu perturbé au niveau de l'entraînement. Vous l'avez dit, les Jeux de Commonwealth l'ont relancé, mais après, voilà, le niveau n'est pas tout à fait le même que sur ces WTS et sur cette finale, bien sûr. Kirsten Sweetland, elle vit un moment, aussi, hein. Bien sûr, un moment particulier. Elle va courir à domicile. Elle a été athlète championne du monde junior. Elle a disparu de longues années. Elle a retrouvé une certaine forme, nouvelle forme. Voyons ce qu'elle est capable de faire à domicile. C'est l'heure de la conclusion de cette année longue de 7 étapes. C'est le dernier rendez-vous, donc, ici à Edmonton. Format classique, 1,5 km, 40 km à vélo et ensuite 10 km à pied. Au sein d'un cadre assez spectaculaire, agréable. Un golf d'un côté, une rivière de l'autre, un lac par-ci par-là. Une difficulté sur le parcours cycliste un peu atypique. La voici, cette fameuse bosse là qui va enrouler, en l'occurrence, le conseil général, on pourrait appeler ça, Laurent, de la ville d'Edmonton, oui. De la province. Et puis ensuite, un parcours pédestre, somme toute, assez flat, diraient les anglophones. Oui, mais un parcours vélo, indépendamment du fait de cette bosse, est quand même très technique. Le vent peut jouer un rôle important. On va alterner ces grandes avenues typiques de l'Amérique du Nord avec ces passages dans les parcs. C'est vrai que c'est un parcours assez bucolique. On en a de moins en moins l'habitude, puisque entre Chicago, Hambourg, Londres, Madrid, même si Madrid, on est dans un parc. Mais on a l'habitude de voir les triathlons un petit peu plus en ville. Là, on retrouve un petit peu l'essence du triathlon de jadis. Natation en combinaison, 2 tours, vous l'avez dit. Puis ce parcours vélo, j'y reviens, qui peut être sélectif.
Allez, c'est parti donc, conditions climatiques très agréables, l'air est doux, c'est effectivement le moment de faire preuve d'un petit peu de patience pour savoir qui de ces demoiselles engagées ici lors de ce dernier rendez-vous sera sur la plus haute marche du podium à l'issue de cette dernière, en l'occurrence, compétition, même si on imagine bien Gwen Jorgensen, l'américaine, comme étant a priori la nouvelle championne du monde. Mais vous le signaliez tout à l'heure, avant d'entamer vraiment la couverture de cette compétition, Jorgensen était dans le même cas de figure l'an passé et elle avait chuté. Mais on peut penser que, comme bonne athlète de haut niveau qu'elle est, excellente athlète de haut niveau, mais bonne dans sa préparation, le fait de pouvoir capitaliser justement sur ses erreurs et de ne pas les reproduire, c'est le principe même du haut niveau, de son accession et du fait de s'y maintenir. Là, elle a un petit peu de marge, hein, quand même. Hein. Même si l'année dernière, elle avait un petit peu moins de marge, bon, il suffisait qu'elle fasse une place correcte. Là, elle doit être. Il faut que Sarah Groff ou Andrea Hewitt terminent sur la plus haute marge, gagnent cette course et qu'elle soit au-delà de la 15e place. Donc, ça laisse beaucoup de marge, beaucoup de sécurité et il y a fort à parier qu'elle ne prenne pas les risques qu'elle avait pu prendre éventuellement l'année dernière en vélo, d'autant plus que la météo est bien plus clémente qu'à Londres l'année dernière. Attention malgré tout à ne pas se laisser endormir. C'est vrai qu'on ne court pas de la même manière quand on a un capital de points suffisant pour pouvoir gérer sa course, mais le risque, c'est justement de la gérer de manière excessive. Pour l'instant, la natation a déjà sectionné le peloton, trois groupes, hein, on en a vu deux principalement à l'écran, et sans ce deuxième groupe, on voit Gwen Jorgensen avec le bonnet frappé du numéro 1. Elle bagarre, hein, elle bat. Qui se bat, je dirais, comme à son habitude en natation, c'est pas encore tout à fait ça. Elle est en queue de peloton et devant, on va retrouver, comme à son habitude aussi, Carolina Routier notamment, l'Espagnole, Margrit Van Eck. On va retrouver Rebecca Clark, la Néo-Zélandaise. Andrea Hewitt, la Néo-Zélandaise aussi, parmi les premières à s'extraire de ce lac. C'est une bonne nouvelle de retrouver Andrea Hewitt qui revient tout doucement, effectivement. Bah, que ce soit Sarah Groff ou Andrea Hewitt, elles ont fait une course exceptionnelle à Stockholm et cette fin de saison a l'air de leur sourire. Il y a une autre Néo-Zélandaise aussi qui fait une très très belle saison, c'est Nikki Samuels. Bien sûr, on a l'habitude de la voir sur le Grand Prix national. Et c'est vrai que c'est intéressant. Vincent, cette transition n'est pas simple non plus. Hein. 500 mètres, c'est à peu près la distance qui sépare le lac de la véritable aire de transition. Regardez le public présent en masse. Il fait beau, un petit peu de vent et c'est tant mieux. Ça va rafraîchir un tout petit peu les corps et les écarts entre les compétitrices. Alors, ça se suit à la queue leu-leu, mais il peut y avoir des cassures. On quand va même, hein, faire un petit peu le tour d'horizon avec Kirsten Sweetland, la Canadienne dont on parlait en introduction, qui a la particularité d'avoir été championne du monde junior et de n'avoir jamais disputé aucun Jeux Olympiques 2008 et 2012. La voici. Elle est assez loin. Une transition qu'il va falloir être efficace, ce qui n'est pas tout à fait le cas, où elle va sortir au-delà de la 30e position. Pas de panique, attention. Hein. Pas de panique, certes, mais surtout qu'il faut bien ranger sa chambre, hein, on vous le dit à chaque fois, mais elle est déjà assez loin et le début du vélo, si les autres compétitrices s'aperçoivent qu'elle n'est pas là, et ce sera le cas, et ça peut rouler. Et ben voilà, le voici, ce fameux groupe d'athlètes qui a intérêt à s'entendre, intérêt à essayer de hausser le ton pour empêcher Gwen Jorgensen, bien esselée à l'image. Oui. Oh là de là. Revenir, attention, on parlait de chute, mais on parlait de chute tout à l'heure, on n'est pas passé très loin là, hein, la moto. Oui. Et là c'est terrible, je vous parlais tout à l'heure de ce parcours vélo avec ses longues avenues, et là elle est toute seule, on dirait, notre ami Fred Brindel dirait en chasse patate, et ça va être compliqué de rentrer, surtout si ça roule devant, et elles ont bien évidemment intérêt à rouler, que ce soit Lucy Hall, Carolina Routier, toutes ces grandes nageuses qui courent un tout petit peu moins vite, eh bien elles ont tout intérêt à collaborer, surtout qu'Alice Betuela nous fait une très très belle saison, elle court très vite en ce moment, vous l'avez signalé, Andrea Hewitt, sans doute Sarah Groff, Pamela Oliveira là aussi, Margrit Van Eck, il y a Nikki Samuels. Et bien toutes celles-là ont intérêt à rouler. Rachel Klammer est là aussi, Anya Knapp, donc ce ne sont pas des athlètes qui découvrent la compétition, loin de là, mais regardez, Jorgensen, elle n'arrive pas à rentrer, c'est normal, l'effort est tellement important, surtout sur le, je dirais pique, sur le fait qu'elle est toute seule, donc il va falloir qu'elle prenne une décision, elle n'a même pas chaussé et encore. Ben oui, bien sûr, elle essaye de lancer la machine pour recoller à ce groupe. J'espère que stratégiquement, les athlètes du groupe de tête ont fait un petit point pour savoir où était Jorgensen. Et elles n'ont absolument aucun intérêt, aucune d'entre elles, à relâcher l'effort. On a vu, on va dire, le deuxième groupe qui est en train de revenir sur Jorgensen, ce qui peut peut-être lui apporter une solution. Elle a intérêt à attendre le deuxième groupe, mine de rien, sinon elle va exploser en vol. Oui, elles peuvent tenter sur quelques kilomètres de voir si elle peut rentrer. Mais visiblement, ça va être difficile.
Maintenant, c'est pareil, elle attend le deuxième groupe qui va rouler pour elle. Alors, dans ce deuxième groupe, aussi, hein. Petite athlète à signaler et présente dans ce deuxième groupe, Jodie Stimson. Oui. Et puis, on a vu aussi le retour, on parlait des anciennes, mais on a vu le retour aussi de Sarah Haskins. Exactement. L'américaine qui. Qui peut peut-être lui filer un coup de main. Ben oui, qui visiblement n'est pas quand même dans une très très grande forme parce que Sarah, si ma mémoire est bonne, sortait devant de l'eau. Et là, ça n'a pas été le cas. Alors, ça c'est le groupe de tête avec Sweetland. Ah, attention, je n'ai pas le temps de terminer ma phrase. Ça c'est qui? Alors, ça c'est une athlète qui est sur le sol et qui apparemment a l'air de souffrir. Visiblement, dossard 30 et des poussières, a priori. 21. Ah, Yuka Sato, ouais. Oula, puis elle est tombée visiblement à l'endroit où l'angle du trottoir a dû s'avérer particulièrement douloureux. Ah. Elle est tombée toute seule. Oui, ça va, elle n'est pas tombée super vite, mais ça peut faire effectivement très très mal. Elle est bien amochée, oui. Oui, c'est le vernis, bien sûr. Elle a dû accrocher la roue arrière de la concurrente qui la précédait. Alors, 6 tours, mais pas tout à fait les mêmes. Hein. On vous l'a dit, 2 tours assez longs, 11 km, et 4 cours, bien sûr, beaucoup plus courts. Et moins pentus. Mais la différence peut se faire dans les 2 premiers tours. Alors, est-ce que le fait que Gwen Jorgensen ait intégré le groupe de poursuivantes a changé quelque chose à l'écart qui sépare le groupe de tête justement du deuxième groupe? On va pouvoir le vérifier dans quelques instants. Peut-être à l'image, si on a suffisamment le temps de vérifier l'écart. J'ai pas le sentiment. Et on a vu à l'écran, vous avez vu cette immense plaine en herbe là qui va être le parc à vélo des catégories d'âge. C'est gigantesque. Ils vont s'en donner à cœur joie. Ah oui. Alors ça, c'est le groupe, c'est un groupe intermédiaire apparemment, 45 secondes. Et ça commence à être conséquent. Et non, c'est le groupe Jorgensen. Maintenant, 45 secondes, on a déjà vu que jusqu'à une 10, une 15, elle pouvait se permettre de revenir. Mais la partie n'est pas facile pour elle malgré tout. Allez, un peu de patience, on enchaîne avec une autre compétition, toujours une compétition féminine, mais cette fois-ci chez les moins de 23 ans. Départ, même parcours pour les moins de 23, la seule différence ce sera chez les juniors où effectivement ils disputeront le parcours sprint. Une Française présente alors ici. Alors qu'il n'y en a pas chez les grandes. Léonie Perriot, la Française, et là ça bagarre. À vélo, petit groupe hein, composé de 2, 4, 6 compétitrices. Notamment Seller l'Allemande, Backhaus l'Australienne, Jones l'Américaine. Ouais, comme quoi, c'est les nations qui dominent le triathlon sont là aussi hein. Chez les jeunes. Et oui, elle est là. Dossard numéro 14, Léonie Perriot, elle a une carte à jouer et elle se retrouve un peu moins nombreuse dans cette deuxième ère de transition avec un avantage pour l'Australie. Léonie Perriot qui est partie rapidement elle aussi sur ce parcours pédestre. Elle a une belle carte à jouer puisque derrière l'écart est assez conséquent. Ça allez, allez, allez. Elle a l'air de coincer un tout petit peu Léonie Perriot, tandis que l'Allemande Sophia Saller, elle, a pris la poudre et l'escampette à la faveur de ce deuxième tour. Elle est en avance donc sur Backhaus et sur Perriot. Mais attention, Jones en l'occurrence, ouais. Erin Jones, prend le meilleur sur Léonie Perriot pour finalement donc lui voler la 3e place. Championne du monde des moins de 23 ans, Sophia Saller, jeune athlète allemande. Voilà, des noms à souvenir. Gillian Backhaus, l'Australienne, Erin Jones, l'Américaine, médaille de bronze, et malheureusement, effectivement, Léonie Perriot prendra la 5e position. Très très belle place néanmoins. Allez, c'est parti, du moins ça continue. Pour ce qui concerne les athlètes élites. Et Gwen Jorgensen, elle est dans la roue de Sarah Haskins. Eh ben voilà, peut-être que Sarah va lui permettre de combler un tout petit peu cet écart. Non, on vous l'a dit, à 45 secondes, ça n'est pas suffisant pour être complètement à l'abri. En tout cas, pour la première place, peut-être, puisqu'on a vu que ce soit Sarah Groff, Nikki Samuels, Andrea Hewitt reviennent très très en forme. Donc 45 secondes, ça commence à être conséquent. Maintenant, on vous l'a dit aussi, si l'une des athlètes que je viens de citer gagne la course, il suffit que Jorgensen fasse dans les 15. Et si la course s'arrête maintenant, on n'en est pas très très loin. Et elle s'arrête maintenant pour ce qui concerne Kirsten Sweetland. Mais elle était déjà mal avant le début de l'épreuve. Pas visiblement, bien digérer quelque chose. Ce serait bien, oui, qu'on ne reste pas trop longtemps à l'image avec Kirsten parce que je pense que ça va finir par partir. Hein. C'est bien possible, mais ça arrive quand l'effort est intense. La pression, l'effort. Abandon pour la Canadienne à domicile. Et on sait que dans les sports d'endurance, les problèmes digestifs font partie intégrante du jeu. Allez, on se dirige vers la fin de ce parcours cycliste avec McIlroy, hein, Samuels et Witt dans le groupe de tête. Anya Knapp est là aussi. Alice Beto. Beto, Routier, Oliveira, des athlètes qui Lucie progressent. Hein. C'est bien.
Clark, une autre néo-zélandaise, la Nouvelle-Zélande qui nous produit de très très bons athlètes depuis très longtemps. Belle arrivée, un bel air de transition, c'est joli comme tout. Alors, ils sont une vingtaine. Donc si, imaginons que Andrea Hewitt ou Sarah Groff gagnent cette course, eh bien il suffit à Gwen Jorgensen d'aller en chercher 5 de ce groupe, 5 ou 6. C'est tout à fait jouable, mais ça met une petite pression et ça laisse du suspense. Et ce qui va être intéressant, c'est de savoir effectivement l'écart qui sépare ce premier groupe du deuxième. Parce et Paula Finlay, on ne l'avait pas cité tout à l'heure, elle est de retour aussi, la canadienne. Un peu à l'image de Kirsten Sweetland, qui a été très très bonne en junior, qui a gagné des Coupes du Monde tout de suite chez les grandes, et puis qui a disparu un petit peu des écrans radar. Alors, c'est pas parti pareil devant que là. Hein. Attention, quel est l'écart qui sépare donc ce deuxième groupe du précédent tout à l'heure. Il faut savoir qu'au-delà d'une minute trente, ça commence à devenir problématique. Une mais là non, cinq. Il y a une 5. Ça veut dire que si Jorgensen ne tombe pas, ne se blesse pas, ne prend pas effectivement par hasard un albatros sur la nuque, elle devrait logiquement revenir sur la tête de course assez facilement. Assez facilement, c'est une 5 quand même, Vincent. Ah, oui, mais bon, elle nous l'a fait jusqu'à présent, elle les a fait finger in the nose. Pourquoi elle, pas cette année. Elle nous l'a fait à Chicago, c'est vrai, mais ça reste une 5 quand même. Va falloir qu'elle temporise. Hein. Ce qui peut-être jouer en sa défaveur, c'était qu'elle s'est retrouvée de façon, de manière esselée, prolongée. Longtemps ouais, sur fait. Le parcours cycliste. Complètement. C'est ça qui peut effectivement maintenant, la pénaliser. C'est que c'était au début de la course, donc elle a pu aussi récupérer, vous l'avez signalé tout à l'heure, dans la roue de Sarah Atkins. Toujours est-il que l'écart n'a fait que, on l'a vu, elle était quasiment à portée de fusil. Elle était à 10-15 secondes du groupe et elle finit à une 5. Ça reste conséquent. On va voir qui va prendre en charge la course à pied. Il y a toutes les chances que ce soit les filles en forme. Bah voilà, Andrea Hewitt, bien sûr, probablement Nikki Samuel, Sarah Groff. Et si elle collabore, faut pas s'enflammer non plus. Faut courir vite, bien sûr, mais à son tempo pour ne pas trop griller de cartes. Maintenant, la problématique pour ces coureuses n'est pas la même que pour Jorgensen. Elle est là pour gagner le championnat du monde. Les autres sont peut-être plus là pour gagner la course et se repositionner, pourquoi pas aller atteindre le podium. Maintenant, gagner le championnat du monde, c'est un petit peu différent, donc la problématique n'est pas la même en fonction des compétitrices. Gabarit puissant pour Sarah Groff, dernière vainqueur de regardez, elle est en train de grignoter au fur et à mesure de Stockholm, hein. Et Jorgensen, le train, je dirais presque le TGV Jorgensen, est en train de revenir. Alors, une Allemande déjà éliminée, deuxième Allemande digérée dans une poignée de secondes. Donc, elle est tout simplement en train de progressivement mettre à mal le groupe de compétitrices qui a essayé de... Je ne vais pas lui faire la leçon, mais tout du moins de... Ah bah, ça va être la seule solution. Ça va être la seule solution si on veut continuer à gagner des WTS, parce qu'elle court vraiment beaucoup plus vite que les autres. Maintenant, quel est son état d'esprit, Vincent? Est-ce qu'elle est là pour gagner le championnat et auquel cas elle court à sa main, elle grignote, elle se dit 19, 18, 17, dès que je suis dans les 15, je suis tranquille, ou est-ce qu'elle veut gagner la course? Je pense que c'est indissociable. Elle fait partie de ces athlètes qui ne peuvent pas concevoir autre chose que la victoire. Eh bien, c'est bien. Jorgensen, c'est réglé là. Boom. Elle est passée sur routier, ça c'est fait. Grande foulée, grandes enjambées, très puissante. Regardez les épaules, elle a pris des épaules, c'était indéniable. Ouais, Jorgensen pendant l'année. Ça ne l'a pas forcément avantagée dans l'eau aujourd'hui non plus. C'est vrai. Elle a fait quelques belles natations cette saison, mais de façon irrégulière. Donc elle a encore à travailler par rapport à ça. Mais maintenant, si elle nage comme un avion en réaction, il va plus y avoir des masses de suspense. Hein. Alors, le lead group, Samuels et Witt. Je n'ai pas eu le temps de prononcer le nom de Sarah Groff, c'est terminé. Donc, deux néo-zélandaises en tête devant une américaine qui va tenter de garder cette position sur le podium. Ça ne va pas être très sans doute facile parce que Jorgensen, vu l'allure à laquelle elle progressait, elle doit revenir progressivement sur la tête de course. Alors, où est-ce qu'elle est? Eh bien, là voilà, Gwen Jorgensen, sur la gauche, groupe, au fond. Là-bas. Là. Oui. Donc, elle est 3 et 3-6. Elle a à peine le temps de le dire. Elle est désormais plus. 4 et maintenant, voilà. C'est elle, bien quand elle on a court le trio à cette vitesse en face. Là, on n'enlève pas une par une, c'est par paquet qu'on enlève qu'on rattrape les places. Regardez de manière évidente, Rivas, Oliveira et Hersey ne peuvent rien faire. Elle continue. Grand coup d'épaule, grandes enjambées, elle revient sur Sarah Groff, sa compatriote. Mais souvenez-vous, à Chicago, elle était rentrée en 3 tours. Elle avait temporisé un petit peu et puis elle était rentrée. Elle a pris, elle a gagné combien de temps? Elle a gagné 40 secondes, non 30 secondes sur 2,5 km. 32 secondes, ouais. 32 49 secondes, secondes sur le premier 5 kills. Donc elle est partie au taquet jusqu'à temps qu'elle rentre sur la tête de course. On va voir si elle, hop, un petit... tape amicale. Voilà. Histoire de dire maintenant c'est plus la peine que tu forces, c'est cuit. Bien tenté. Et puis on va voir si elle fait comme la dernière fois, bah voilà, on va vite le savoir. Est-ce qu'elle va temporiser un petit peu, puis attaquer ensuite comme elle l'a fait précédemment? Alors la non, russe. Ne confondez pas, voilà, la russe et l'écureuse, elle a pris un tour. Hein. Donc elle temporise un peu. Elle respire.
Là, elle pense un tout petit peu à la manière dont elle va agir. Est-ce qu'elle accélère tout de suite? Est-ce qu'elle les laisse s'entretuer et qu'elle ramasse, en l'occurrence, les miettes? C'est pas dans ses habitudes. Hein. Elle devrait continuer. Fait. Elle s'écarte un tout petit peu à l'extérieur de Samuels pour revenir progressivement à hauteur de son épaule droite. Et puis, ce sera au tour, sans doute, de André Hewitt sous peu. Pas facile hein, quand on est tête de la compétition. Regardez. Et qu'on voit revenir Jorgensen. Hein. Pas facile. On peut s'en douter un tout petit peu hein, quand on a les écarts, puisqu'il y a fort à parier évidemment que Laurent Vidal ait informé Andrea de son écart. Donc elle sait qu'une 5, ça reste jouable, mais c'est très compliqué. Et là, elle gagne. Elle a repris plus d'une minute en 7,5 km. Si elle reprenait une minute en 9,5 km, on pourrait se dire il ne manque plus que 500 mètres. Là, il manque un tour complet hein, quand même. Hein. Elle a pris des épaules, mais elle n'a quand même pas pris beaucoup de gras. Hein. Non, mais ça non, ça c'est sûr. Si on voit les... C'est impressionnant, elle est quand même particulièrement maigre. Regardez au niveau de ses hanches, les os sont apparents. Elle est très très affûtée. Une qui est très affûtée aussi, c'est Nikki Samuels. Hein. Elle a modifié effectivement son débrief. Elle fait une fin de saison, elle fait une saison 2014 remarquable et une fin de saison exceptionnelle. Et elle accélère, Gwen Jorgensen, ça ne lui suffit pas, elle veut totalement prendre à bras le corps l'épisode ultime de cette saison 2014 des Triathlon Series, s'imposer mais sans aucune contestation possible. L'américaine qui pénètre sur le tapis bleu, qui ôte ses lunettes, qui montre enfin ses yeux et qui profite du moment, large sourire sur le visage de Gwen Jorgensen, championne du monde. Il y a un an, c'était pas la même histoire, donc elle doit s'en souvenir, c'est dans un petit coin de sa tête. Et cette fois, elle est bel et bien championne du monde, une très belle championne du monde. Cinquième victoire, elle gagne la finale, remarquable, 33-24 sur ce 10 km. Il va y avoir des garçons tout à l'heure qu'il va pas falloir qu'ils relâchent trop parce que sinon elle va courir plus vite qu'eux. Et c'est agréable de voir André Hewitt prendre la deuxième place. Ça fait plaisir, bien sûr. Andrea et Nikki qui ont l'habitude de courir, Jorgensen aussi maintenant, hein, mais Andrea et Nikki sont sur le circuit français depuis bien longtemps. Andrea qui est passé par Beauvais, Poissy et Nikki qui est fidèle à Parthenay depuis des années. Et ça fait plaisir de voir ces athlètes qui courent en France, les voir sur les podiums de WTS. Petit mot concernant le circuit français, prochaine étape, ce sera lundi prochain sur l'antenne de Sport Plus. Rendez-vous donc à Quiberon pour vivre ce résumé de l'avant-dernière étape de la saison. Ça se conclura à Nice à la fin du mois de septembre. Particulièrement saillant, je trouve, ces maillots néo-zélandais avec elle la fougère. Elle s'accroche, Sarah Groff, l'américaine. Elle veut la garder, cette quatrième position. Hélène Reid, l'Irlandaise, veut monter, elle, un cran au-dessus de Claudia Rivas. Eh oui, alors le podium de cette course n'est pas étonnant, le podium final non plus. Je reviendrai sur ma conclusion après. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Devinez ce qu'elle nous dit. J'ai eu un moment difficile, un moment de doute sur le circuit vélo. Je ne savais pas comment agir. Est-ce qu'il fallait que je poursuive mon effort, attendre les autres? Ça a été un moment assez difficile. Ah, c'était top. C'est vrai que la fin de saison, elle me ravit, elle me comble. Je suis très satisfaite. Enfin, je revois un petit peu la lumière. Tout s'est remis d'aplomb, elle a dit. Hein. All came together. Elle est terrible, cet accent néo-zélandais. Nikki Samuels qui dit qu'elle a bossé énormément sa vitesse. Et c'est pas une surprise de la retrouver sur le podium de Stockholm, puis sur le podium ici à Edmonton. Alors ça va être intéressant de voir l'année prochaine une Simpson de retour en forme, comme elle nous l'a fait voir au tout début de saison. N'oubliez pas que Nonson Ford n'est pas là. N'oubliez pas que Nicolas Spirig a fait un essai sur le marathon au championnat d'Europe à Zurich, où elle fait 2h37. Ça veut dire que Lisa Norden n'est pas là non plus. Il y a quand même quelques-unes des grandes favorites. Le retour des Canadiennes, Finlay Sweetland l'année prochaine. Eh bien, on va peut-être avoir un championnat du monde de très très grosses factures avec une densité énorme. C'est quand même très bien vendu tout ça. Bien sûr, on compte sur vous pour être en notre compagnie l'année prochaine et suivre ce nouveau championnat du monde. Les messieurs, c'est dans une poignée de secondes. À tout de suite.